Bonjour, je suis le major Jean-Luc Pilon, le commandant du corps de cadets 2644. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux cadets, aux instructeurs et aux parents à cette sixième parade du commandant. En effet, la première parade du commandant virtuelle. Évidemment, on n'a pas les moyens de le faire sur le terrain de parade, au manège de Salaberry, comme d'habitude. Pour moi, c'est une occasion pour vous saluer. Pour vous dire bonjour, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'était le milieu du mois de mars, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, et ça fait 6 semaines. Vous nous manquez, les cadets, et puis toutes les activités qui normalement auraient eu lieu nous manquent aussi. C'est aussi pour moi l'occasion de partager certaines informations avec vous concernant le programme des cadets, concernant les activités au corps de cadets 2644. Alors, à la fin, comme on fait d'habitude, je vais avoir des informations à vous partager. Normalement, parade du commandant comporte 3 éléments importants. D'abord, il y a le défilé. Le défilé, vous avez vu des photos de défilé qu'on a eu cette année. Le défilé est suivi par une inspection où on a la chance de voir comment vous gardez vos uniformes, l'état de vos uniformes, la capacité que vous avez de bien les garder puis les entretenir. Et puis finalement, la troisième partie qui intéresse beaucoup plus les cadets, je pense, ce sont les remises. Alors, parfois, il y a des qualifications, par exemple des qualifications de tir ou des qualifications en premier soin, mais aussi des promotions. Les promotions, c'est un élément important dans le développement d'un cadet, dans la carrière d'un cadet, parce que il y a certaines activités, certains camps qui sont accessibles seulement si vous avez atteint un certain grade, en plus d'autres facteurs. Mais si vous n'avez pas le facteur grade, vous ne pouvez pas progresser. Donc, c'est important qu'on vous fasse les promotions au fur et à mesure que vous êtes apte à être promu. Pour être promu, il y a un nombre de critères qui sont importants. Par exemple, il faut avoir passé un certain nombre de mois, de temps, dans un grade antérieur. Il faut aussi avoir reçu une formation ou de l'instruction particulière à ce niveau-là ou à ce grade-là. C'est clair que le comportement, la participation sont des éléments importants dans la réussite de l'instruction. Et finalement, pour la plupart des grades, il faut avoir participer au test de conditionnement physique, le NECPC. On l'a fait à 2 reprises cette année, une fois au mois de novembre, une fois au mois de février. Alors, on vous donne beaucoup d'occasions pour le faire, mais il faut l'avoir participé afin de pouvoir monter de grade. Donc, ce soir, nous avons une quarantaine, c'est un petit jeu de mots, là. On a une quarantaine de cadets qui se sont qualifiés pour changer de grade, pour être promus. Alors, nous allons procéder avec la remise des grades. On va commencer avec les grades de cavalier. Cavalier Amanita Diallo. Cavalier Orsi Diallo. Cavalier Ibrahima Diallo. Cavalier Elsa Gillo Ochatu. Cavalier Adriana Esama Owona. Cavalier Haifa Ambacho. Cavalier Jean-Christ Kouassi. Cavalier Santiago Molina Tavares. Cavalier Daniel Morissette. Cavalier Nisa Benjamin Mukotani. Cavalier Brandon Neret Dieu-Juste. Cavalier Bernard Ni. Cavalier Nadra Adedayo Odedele. Cavalier Ibukun Aaron Adjumani. Cavalier Ketsia Paraiso. Cavalier Keenan
Frédéric Pongui. Cavalier Fanu Minang Rain Parker. Cavalier Joseph Gilles Étienne Roussy. Cavalier Félix Tremblay. Cavalier Zimo Wei. Cavalier Omar Boulal. Cavalier Félix Deschênes. Cavalier Anas Elilali. Cavalier Magali Gagnon. Cavalier Yamade Yana Kuruma. Cavalier Mohamed Sharif Lalou. Cavalier Marc-Alex Levert. Cavalier Junse Liu. Cavalier Zaïd Moujrib. Cavalier Jade Prévost. Cavalier Léo Chi. Cavalier Guillaume Thibault Beauparlant. Cavalier Sami Klibi. Nous avons un cadet qui va devenir un caporal ce soir, et c'est le caporal Andrés Felipe Velázquez Rollins. Nous avons des cadets qui vont devenir caporal-chef ce soir. Caporal-chef Sarah Fars. Caporal-chef Ulysse Lavagnon Ica. Caporal-chef Assa Muberuka. Caporal-chef Moïse Sebaziga. Et caporal-chef Philippe Vlad. Et enfin, nous avons un cadet qui devient sergent ce soir. Le sergent Barou Ilboudo. Félicitations à tous et chacun. Alors, bonjour ou bonsoir au corps de cadets 2644. Bonjour, bonsoir tout spécialement aux cadets nouvellement promus du niveau vert. Félicitations à tous. Vous allez pouvoir porter vos nouveaux grades au retour des activités. D'ici ce temps-là, je vous encourage fortement à continuer votre engagement de bon citoyen en suivant les règles du gouvernement du Québec en matière de distanciation sociale, de tousser dans son coude, de se laver fréquemment les mains, et d'éviter tout contact avec les personnes vulnérables. Et quand je dis tout contact, je parle de contact direct. Je vous encourage fortement, par contre, à téléphoner, prendre des nouvelles. Ça aussi, ça fait également partie de votre engagement de cadet de bon citoyen. Ces mesures-là qu'on va prendre individuellement vont nous permettre, comme société, de mieux passer à travers la pandémie. Alors, félicitations à tous. On se revoit à la reprise des activités. J'ai bien hâte de vous voir. D'ici ce temps-là, bien, le corps de cadet 2644, c'est fort. Bonjour, chers cadets. J'espère que vous allez bien de votre côté. Je voulais prendre un petit 30 secondes pour vous féliciter pour vos promotions. Vous l'avez amplement mérité. De plus, je voulais vous encourager à continuer d'exécuter les consignes du gouvernement. Je sais que c'est un petit peu difficile dernièrement, mais on est tous capables de le faire. Je vous encourage et j'ai très hâte de vous revoir. D'abord, félicitations à chacun et chacune d'entre vous. Si on vous a remis un grade aujourd'hui, c'est grâce à votre engagement avec le corps de cadets, et ça, c'est la marque des leaders. Alors, continuez comme ça, montrez l'exemple et prenez soin des gens autour de vous. C'est comme ça qu'on avance. On espère se revoir bientôt et en santé. À la prochaine. Donc, bonsoir tout le monde. Tous les cadets et cadettes du niveau argent qui se méritent une promotion, je tiens à vous féliciter. Je tiens à souligner tous les efforts, le progrès, le travail que vous avez fait dans la dernière année d'instruction. Je pense que malgré toutes les circonstances, c'est important de le souligner. Je crois que vous devriez être vraiment fiers de tout ce que vous avez fait au corps de cadets 2644.
Entre-temps, ça va me faire plaisir de vous revoir en septembre prochain. Je vous dis de prendre bien soin de vous et souvenez-vous que le corps de cadet 2644, c'est fort. Je félicite le caporal-chef Ilboudeau pour son grade de sergent. Alors, bravo, sergent Ilboudeau. On se revoit bientôt, j'espère. Ça va bien aller. Félicitations à vous. Continuez votre voyage dans le programme des cadets. Vos efforts ont prouvé ce mérite. L'effort que vous donnez au programme, cela récompense que vous recevrez. Continuez à monter l'échelle du succès. Restez en bonne sécurité et en bonne santé. Bonsoir à tous. Alors, mes sincères félicitations à tous les cadets qui ont reçu une promotion ce soir. J'ai vraiment hâte de vous revoir en septembre. Félicitations à tous pour les promotions. Comme vous pouvez le voir, malgré la situation exceptionnelle, nous trouvons une façon quand même de vous remettre vos promotions pour ceux qui le méritent. N'oubliez pas le rôle important que vous avez à jouer au sein de votre famille, mais également de la communauté. On est tous dans le même bateau, on affronte tous cette pandémie ensemble, et on va tous s'en sortir ensemble. Donc on lâche pas, n'oubliez pas que le 2644, c'est fort. Et maintenant, c'est le temps pour quelques messages. Je vous ai dit au début que j'avais certaines informations à vous partager. J'aimerais commencer en félicitant les gagnants du défi des bottes. Pour le niveau vert, le cavalier Joël Dagenais. Pour le niveau rouge, le caporal Alicia Chouacri. Pour le niveau argent et or, caporal-chef Virginie Desjardins. Il y a aussi un prix de participant qui est attribué au cadet Benjamin Moukotani. Benjamin n'avait pas encore reçu son uniforme. Mais en dépit de ça, il voulait participer, il voulait faire partie du 2644. Donc, il a pris ses souliers civils et il les a polis. Et il s'est fait prendre en photo avec un T-shirt du corps de cadet bien repassé, des belles culottes propres bien repassées et ses beaux souliers civils reluisants. Alors, félicitations à tous, félicitations à tout le monde qui ont participé. Et j'aimerais aussi souligner l'importance du travail fait par l'équipe qui ont monté ce projet-là, l'équipe de nos défis. Il y a l'adjudant-chef Vincent Collinet de la Salle, l'adjudant-maître Valérie Bouchard-Calderon, l'instructeur civil Myriam Chouacri et notre capitaine Thomas Levasseur, officier de l'instruction. Ensemble, ces quatre-là gèrent les projets que vous voyez sur Instagram, les jeux, d'autres activités, d'autres vidéos qui sont produites. Soulignons le travail de l'adjudant Abderrahmani, qui a poli les bottes, qui vous a montré à polir les bottes. Sergent Améga, qui est en train de vous montrer comment lacer des bottes. Et il y en aura d'autres. Si vous avez des idées qui pourraient se faire dans le cadre des défis, passez-les. Faites-les monter dans la chaîne de commandement. Parlez à vos cadets-cadres. Comme vous le savez, malheureusement, cet été, il n'y aura pas d'activité de cadets, pas de camp de cadets. Cependant, je veux vous assurer qu'il y a des choses qui se planifient. Au niveau de l'unité régionale de soutien aux cadets, l'URSC, ils sont en train de développer une programmation virtuelle qui sera offerte aux cadets. Alors, ça va être de la programmation pour hausser les capacités, les connaissances des cadets, pour rendre l'été un petit peu plus intéressant, mais aussi pour vous préparer pour la reprise des cadets à l'automne. Donc, il va y avoir des détails qui vous seront offerts dans les semaines à venir. Vous allez pouvoir les trouver sur le site Facebook, sur le site web et peut-être aussi sur le site Instagram du Corps de cadets. Donc, surveillez ces trois endroits-là pour voir comment ça va se dérouler et quand ça va commencer. Mais je vous assure que ça va être intéressant. J'ai participé à une réunion de cadets cadres de l'Outaouais la semaine dernière qui faisait un remue-ménage pour trouver des idées, des choses intéressantes. Et je vous assure qu'il y avait de quoi là, qui se brassait, qu'il y a des idées très intéressantes et ça va être excitant et amusant. Donc, suivez de près. Enfin, normalement, le 9 mai, on aurait dû avoir notre 60e revue annuelle du corps de cadets 2644. Évidemment, ça n'aura pas lieu. Cependant, encore une fois, une composante importante d'une revue annuelle, c'est la remise de trophées, prix et reconnaissances et médailles aux cadets.
ça ferme l'année d'instruction. Et l'année d'instruction, on l'avait quasiment complétée. Donc, il y a beaucoup de travail de cadet qui doit être reconnu et qui sera reconnu. Alors, dans les semaines à venir, quelque temps au mois de mai, nous allons tenir une autre rencontre virtuelle. Je ne veux pas l'appeler une revue annuelle, mais ça va être au moins une remise des trophées et des prix qui normalement auraient été attribués au mois de mai à notre revue annuelle. Quitte à remettre physiquement ces choses-là à l'automne lors de la reprise des cadets. Donc, encore une fois, à surveiller la date et la façon qu'on va se prendre pour faire ces remises-là. Donc, ceci termine notre parade du commandant virtuel. Félicitations encore une fois à tous ceux qui ont été promus. Et je vais vous inciter à continuer le travail que vous faites à la maison. Vous êtes des cadets, vous avez eu des leçons sur le leadership, vous avez eu des leçons sur le travail d'équipe. Vous savez qu'il y a des moments où il faut être un bon suiveur pour que ça roule, pour que ça se développe bien, ça se passe bien. Ce sont des temps difficiles pour tout le monde. Au sein d'une famille, il y a des leaders qui doivent déléguer des fois des responsabilités. Alors peut-être des fois, vos parents vont vous demander de prendre soin de ci, prendre soin de ça. Planifiez ça comme si c'était une leçon que vous planifiez au corps de cadet. Planifiez ça comme si vous étiez en exercice et votre officier vous donnait une responsabilité ou une tâche à accomplir. Regardez les ressources que vous avez. Essayez d'envisager les étapes et procédez. L'important, c'est que vous continuez de faire votre travail au sein de vos familles, d'assumer vos responsabilités. Parce que ça va se terminer. Ce confinement-là ne va pas durer. À un moment donné, quand on va en sortir, c'est bien important de pouvoir se tenir la tête haute et dire « j'ai fait ma part, j'ai assumé mes responsabilités et ça s'est bien passé ». Donc, d'ici à la prochaine fois, continuez votre travail, très important. Continuez la distanciation sociale, très important. Lavez-vous les mains et portez-vous bien. À la prochaine. En terminant, le corps de cadet 26